Bonjour et bienvenue à notre célébration. Vous avez risqué de sortir de chez vous, c'est très bien. Alors, je dis bienvenue également au Quatuor qui va nous accompagner chacun des dimanches de ce temps de carême. Alors, se laisser réconcilier avec Dieu, prier, partager, jeûner dans le secret, c'était l'appel pour le mercredi des cendres. Aujourd'hui, il nous faut fixer notre regard sur Jésus, qui, au désert, a vaincu la tentation, et ce, avec la force de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout au long de ce carême, que le Père de toute tendresse, que l'Esprit de force et de fidélité, que le Fils vainqueur du mal vous accompagne et soit toujours avec vous. Depuis ce mercredi décembre, nous avons repris notre route vers Pâques à la suite du Christ. Mais notre traversée du désert est souvent marquée par nos limites et nos infidélités. Pour que le Seigneur soutienne notre marche, invoquons son pardon. Nous fasse miséricorde, qui nous garde sur ses chemins, pour nous guider jusqu'à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, au moment où s'ouvre devant nous la route qui mène à Pâques, nous voulons revenir à toi. Toi qui es toujours fidèle à ton alliance, viens changer notre cœur et donne-nous de suivre au désert ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté.
Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras. Par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit,
Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Et encore, « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans la foulée du livre du Deutéronome, qui constitue la première lecture de cette liturgie du premier dimanche, mais à un chapitre un peu plus loin, le chapitre 30 plus tôt, Moïse s'adressait au peuple d'Israël en ces termes. « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. »
Ce qui signifie pour nous, évidemment, que ce n'est pas d'hier, que la vie est un perpétuel combat. Un combat entre les forces du bien et celles du mal. Ainsi, tous les jours, les publicités, les médias nous bombardent d'appels à posséder, à dominer les autres, à faire souvent violence à la vie. Nous sommes soumis à l'épreuve. Réussir notre vie par nous-mêmes en suivant ses appels, ou bien faire alliance avec Dieu pour la sauver en accueillant sa parole. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Saint Luc nous présente Jésus entrant dans cette épreuve, comme il nous arrive de l'être nous-mêmes, et il nous indique comment il s'en est sorti. En effet, ce récit de la tentation nous révèle comment Jésus était inspiré par la parole de Dieu et comment, conduit et rempli par l'Esprit Saint, il arriva au désert. Il y vint après avoir entendu Dieu son Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et là, pendant 40 jours, il vivra la tentation de tout être humain, soit se réaliser par soi-même dans la puissance, ou bien accueillir la parole de Dieu son Père. Ici, et jusque sur la croix, Jésus refusera de s'appuyer sur l'accumulation de richesses, sur les moyens de puissance. Il refusera même de se servir de Dieu son Père pour se révéler en tant que Fils de Dieu. Ce récit de la tentation de Jésus vient donc rejoindre notre propre désir de nous réaliser comme hommes et comme femme. Dans la vie quotidienne, nous sommes donc souvent tentés de nous réaliser par nous-mêmes en nous laissant influencer par ces différents appels du monde. Appels à l'accumulation de richesses, à l'utilisation de la force ou encore à la recherche de prestige. Aujourd'hui, Jésus nous invite particulièrement à nous laisser habiter par la parole du Père, parole qui engendre la vie des fils et des filles de Dieu et des frères et sœurs pour autrui. Rappelons-nous la parabole du semeur, dans laquelle Jésus nous indique comment le Père vient habiter le cœur des humains par le pain de sa parole. Le Père choisit de répandre sa parole dans le cœur des humains, vivant toutes sortes de situations. Et dans son amour pour toute personne, il prend le risque, le grand risque, que sa parole soit en péril ou encore étouffée. Mais, rassurons-nous, n'oublions pas que cette parole de Dieu fructifie en nous-mêmes, même si elle trouve une terre plus ou moins propice. Malgré nos résistances, le Seigneur nous invite à ne pas nous décourager devant les obstacles, mais à garder cette parole, la laissant tomber et demeurer au plus profond de nous-mêmes. Frères et sœurs, que notre Eucharistie de ce matin soit l'occasion de développer notre attention à sa parole et de nous rappeler les impressions qui nous viennent des paroles d'amour qu'il ne cesse de nous adresser. Amen.
Comme je l'annonçais la semaine dernière, nous avons évidemment imposé les cendres mercredi pour les personnes qui pouvaient être présentes et nous allons maintenant prendre quelques instants pour faire l'imposition des cendres auprès de ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de les recevoir mercredi. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et celles qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ceux et celles qui veulent recevoir les cendres, vous êtes priés de vous approcher. Maintenant, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse professer notre foi en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Je crois. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. J'y crois. Nous avons besoin de la force et de l'amour du Seigneur. Demandons-lui maintenant d'être auprès de tous ceux et celles qui, dans l'espérance, attendent de lui le réconfort et la lumière. Tout au long du carême, Seigneur, aide-nous à redécouvrir ta parole. Qu'elle soit pour nous source de vie. Nous t'en prions. Sur ce chemin vers Pâques, Seigneur, ravive chez tous les hommes et chez toutes les femmes le désir de vérité, de justice et de paix. Nous t'en prions. Pour tous les malades, Seigneur, vivant déjà dans leur chair un chemin de croix, nous t'en prions. Pour notre communauté, Seigneur, soutiens-la dans son désir de suivre ton Fils sur le chemin qui mène à la lumière de Pâques. Nous t'en prions. Seigneur, exauce nos demandes pour que ton amour soit connu de tous. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la joie de ce temps de conversion que nous donne ta miséricorde, Père de tendresse, nous te bénissons. Il est venu le moment de tourner vers toi, avec ce pain et ce vin, notre propre vie. Que vienne sur nous ta grâce, et nous te bénirons aujourd'hui, avant d'exulter de la joie pascale pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour le tourment vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. De l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous.
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, et tous les saints et saintes du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, disait saint Paul dans la deuxième lecture. Avec cette assurance, redisons la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
échangeons entre nous un signe de cette paix. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.